On est parti les amis sur Fortnite Battle Royale, aujourd'hui en créatif. Comme vous pouvez le remarquer, en face de moi, il y a 15 abonnés. Aujourd'hui, on va faire une expérience. Je me demandais s'il était possible de tuer des dizaines et des dizaines de personnes en un rien de temps sur Fortnite Battle Royale. La réponse sera aujourd'hui les amis. Bombardez-moi cette vidéo de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Et on est parti. Suivez-moi et rentrez tous dans la petite cage. Donc c'est la petite cage du cobaye. Voilà votre nouvelle maison. On a ici, comme vous pouvez le remarquer, un petit coffre avec une épée. Oh voilà, de plusieurs objets que j'ai préparés pour faire cette vidéo. Regardez, l'épée, on va l'utiliser à la fin, les amis. Holy shit. Donc, par quoi va-t-on commencer, les amis? Regardez ça, j'ai juste ici un petit roquette. Est-ce que vous pensez que si je lance la roquette dans ce tas de joueurs, vous pensez qu'ils vont tous mourir en même temps? La réponse dans quelques instants, les amis. Par contre, je vous demanderai tous de vous mettre dans le coin. De coin juste ici. Hé, toi, pourquoi tu te mets dans le coin, là? Va dans l'autre coin, s'il te plaît. 3, 2, 1... Oh! Oh! Vous voyez? Il y a 3 personnes qui ont survécu, c'est un truc de ouf! Donc le roquette ne suffit pas pour tuer plein de personnes. Holy shit! Donc on a pu voir qu'avec le roquette, ça n'allait pas du tout. Testons voir maintenant avec le quadrilanceur. Est-ce que vous pensez que le quadrilanceur fera plus de dégâts? Je ne sais pas. Et attention, 3, 2, 1! Il faut lancer une deuxième roquette pour le quadrilanceur parce qu'il ne fait pas plus de 100 dégâts. Attention, 3, 2, 1! Oh non! Ok, le quadrilanceur est moins efficace que le roquette normal parce qu'il y a 5 personnes qui sont restées en vie. C'est un truc de ouf quand même. D'ailleurs les amis, avant qu'on continue, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires quelle arme vous pensez qui va être la plus utile pour tuer un maximum des personnes et en une seule fois. Parce que là on a pu voir avec le roquette, le quadrilanceur, pour le moment, personne n'est mort d'un coup. Là je veux trouver l'arme qui permettra de tuer tout le monde en un coup. C'est parti, cette fois-ci on a lance-grenade, voilà. Mettez-vous tous dans le coin s'il vous plaît. Attention, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Oh, non. Il y a que 2 personnes qui sont mortes. Il y a que 2 personnes qui sont mortes. Attends, on recommence. La personne est morte. Personne n'est mort, what the fuck. Mais je pensais les amis que cette arme-ci, elle était puissante, mais pas du tout, what the fuck. Ok, continuons cette fois-ci avec le lance-grenade, voilà, on le connaît tous le lance-grenade. Franchement, je pense que j'ai confiance en lance-grenade, je pense qu'il va faire un gros carnage. 3, 2, 1. Ah merde, elle a rebondi. Oh, attention. Oh. Oh. Oh, elle a quand même fait un massacre. Holy shit, il reste 3 personnes. Ok, maintenant, testons voir maintenant avec l'arc explosif. Est-ce que vous pensez que l'arc explosif peut faire autant de dégâts, autant de personnes? Personnellement, je ne pense pas. Mais après, on peut avoir quand même des surprises. Attention, 3, 2, 1. Oh! Oh, l'arc explosif a fait un massacre, what the fuck? Mec, je suis choqué. Il reste plus que 3 personnes en vie, les amis. Damn, son. Maintenant, les amis, il est temps d'utiliser ma petite épée de la mort qui tue. Mais vous inquiétez pas, regardez, on a préparé après des objets magnifiques. Mais ce que je me demande bien, est-ce que l'épée est capable de tuer tout le monde en même temps? Franchement, il y a moyen. On sait tous que l'épée est super cheatée. Attention, mettez-vous tous dans le coin, s'il vous plaît. 3, 2, 1. Oh non. What the fuck? Ah ok, c'est de la merde. Attention, je vais me mettre au milieu et je vais taper un coup d'épée. 3, 2, 1. Oh, un coup d'épée n'a pas suffi à tuer tout le monde, d'accord. Au moins, on aura testé avec l'épée et l'épée n'est pas super efficace, on dirait bien. Le but, je rappelle les amis, c'est de tuer un maximum de personnes en un coup les amis. Et pour le moment, on n'a pas encore réussi. Alors testons voir avec les objets juste ici. On va commencer par la grenade puante. Est-ce que vous pensez que la grenade puante peut tuer, exterminer tout le monde en un si peu de temps? Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Oh là. Oh là, je pense que ça va faire un gros massacre. Je pense que les grenades puantes, elles vont faire un gros massacre. Regardez, ils prennent des petits dégâts. Mais, oh, ça commence. Oh, quoi? Il y a que 3 personnes qui sont mortes. Franchement, je pensais que les grenades puantes allaient tuer tout le monde. Mais on dirait pas, clairement. Ok, deuxième objet qu'on va utiliser, c'est la dynamite. Est-ce que vous pensez que la dynamite? Je pense pas. Parce que je pense pas que la dynamite fait aussi aussi gros dégâts. Il faut vraiment être proche de la dynamite, je pense. Donc, je vous demanderai tous de vous mettre dans le coin, s'il vous plaît. Et attention, 3, 2... Ah, faisons exploser la dynamite ses abonnés. 3, 2, 1. Oh, 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 là tu es quand même pas mal de monde, mais reste quand même bien la moitié, hein. Dommage. Ok, cette fois-ci, testons la grenade normale. Est-ce que vous pensez que la grenade normale va faire un maximum de kills? Allez, mettez-vous tous dans le coin, s'il vous plaît. Attention, 3, 2, 1. Youp.
Attention la grenade, attention. Grenade. Oh. Non, il reste toujours des gens en vie. Donc vraiment, même une grenade, on n'arrive même pas à tuer tout le monde d'un coup, c'est un truc de ouf. Là, je pense que la grenade que j'ai dans les mains va faire un gros carnage, les amis. La grenade aérienne. Franchement, je pense que la grenade aérienne est la solution à notre question, à notre réponse qui est comment tuer tout le monde en même temps. Attention, je vais la lancer. Oh là là, c'est parti. Est-ce que les abonnés vont tous mourir d'un coup? Oh, il y a bien moyen, je pense qu'il y a moyen. Attention. Oh. Attention, verdict, est-ce que des gens sont morts? Oh, quoi? La grenade aérienne n'a tué que deux personnes, mais c'est sérieux ça, what the fuck? Cette fois-ci les amis, passons au C4. Effectivement, je vais lancer un C4 dans le coin. Je vous demanderai tous d'aller dans le coin, s'il vous plaît. Le maximum, le plus proche du C4, voir s'il y a moyen. Je pense que le C4 est une grosse explosion, il y a moyen que ça fasse un gros carnage, clairement. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1... Oh, seulement ça? Mais là, par contre, testons voir avec plusieurs C4. Là, clairement, je pense qu'utiliser plusieurs C4, ça va être un gros carnage. Là, d'office, je pense que tout le monde meurt. Hein. Oh là, bah ouais, mec, avec le nombre de C4. Si tu me dis qu'avec le nombre de C4, il y a un mec qui arrive à survivre, je ne comprends pas. Attention, 3, 2, 1... Ouais, on a enfin réussi à vider la cage. Enfin, j'ai envie de te dire. Donc là, passons aux objets suivants, les amis. Regardez, j'ai une grenade collante. On va faire une petite expérience. Cette fois-ci, je vais lancer ma grenade collante sur ce petit abonné juste ici. Et après, je te demanderai que quand j'aurai lancé la grenade, tu sautes en plein milieu de tout le monde. Et on va voir le dommage que ça va faire. Est-ce que t'es prêt? 3, 2, 1. Vas-y, saute dedans. Vite. Oh. Oh. Ça a quand même fait des bons dommages, mais ça n'a pas tué tout le monde. Et franchement, on galère à tuer tout le monde, c'est un truc de ouf. Testons voir maintenant avec les feux d'artifice. Est-ce que vous pensez que les feux d'artifice vont tuer tout le monde? S'il vous plaît, mettez-vous dans le coin inverse, s'il vous plaît. Je vais mettre un petit feu d'artifice juste là, et ça va être le carnage, s'il te plaît. Petit lama. Hé, hey, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Hé, hey, le petit lama, s'il te plaît, dans l'autre coin. Hé, hey, attends, il triche lui aussi, oui. Attends, je voulais mettre là, tac. 3, 2, 1. Et c'est parti. Est-ce que ça va réussir à tuer tout le monde? Ah. What the fuck, non. Oh là là. Oh, c'est le fail. Oh, on a réussi à tuer quand même pas mal de monde, mais... problème, c'est... Attends, on va recommencer. Là, cette fois-ci, je vais le mettre en milieu. Normalement, ça devrait le faire si je le lance au milieu. Ouais, exactement, mon ami. Ouais. Ok. Oh, c'est bon, j'ai réussi à le mettre. Attention. Oh là là, est-ce qu'on va réussir à tuer tout le monde? Oh. 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 Oh, on a quand même réussi à tuer presque tout le monde. Il reste plus que deux personnes. C'est un truc de ouf. Et franchement... les feux d'artifice, ils sont plutôt puissants, on va pas se mentir. Ok, testons voir cette fois-ci maintenant avec la grenade gelante, les amis. Je pense pas que ça fasse des dégâts, mais testons voir. Oh, ok, et là, tout le monde a eu la glace à ses pieds. Maintenant, on sait que si on lance cette grenade dans une aussi petite zone, tout le monde a des glaçons sous les pieds. Testons voir maintenant avec la boogie bomb. Ok, c'est parti. Est-ce que tout le monde va réussir à danser avec la boogie bomb? 3, 2, 1. Oh, non, même pas. Tu vois, j'ai lancé une grenade, il n'y a pas tout le monde qui danse. Hop là, on recommence. Non, c'est impressionnant. Tu vois, ceux qui sont sur le côté, ils n'ont pas la danse. What the fuck? La petite grenade à répulsion. Holy shit, je me demande bien ce que ça va faire. Attention, 3, 2, 1. Oh, ça envoyait plein de gens en l'air, mais il y a des gens qui sont restés... Dans le box, quoi, c'est un truc de ouf. Ok, passons maintenant à une autre étape, les amis. Comme vous pouvez le remarquer, les 15 abonnés sont juste ici. Et ici, j'ai préparé de belles petites choses, comme vous pouvez le remarquer. Pensez-vous qu'un boulet de canon pourrait faire face à autant d'abonnés? Franchement, il est temps de le tester aujourd'hui, les amis. Mettez-vous tous bien au centre et essayez de ne plus bouger, s'il vous plaît. Je vais tirer dans 3, 2, 1. Oh! What? What the fuck, il y a seulement deux personnes qui sont mortes. What the... Ouais, je m'attendais à beaucoup plus, là. Testons maintenant, les amis, avec le robot de la mort qui tue, les amis. Est-ce que vous pensez que je vais réussir à tuer tout le monde avec le robot? Je charge et attention. Holy shit, ça va être le bordel, je sens. J'ai réussi à éliminer tout le monde. Oh, c'est un truc de ouf, les amis. What the fuck. Eh, pour le moment... la brute est l'objet le plus cheaté pour tuer autant de personnes, les amis. On a enfin trouvé notre objet. Maintenant, il est temps de passer à l'étape de l'avion, les amis. Est-ce que vous pensez que si je pilote un avion et que j'écrase mes abonnés avec un avion, je vais réussir à les tuer? La réponse est tout de suite, les amis. Je vais faire un de ces boosts dans les abonnés. Attention, 3, 2, 1.
Oh, ça n'a rien fait. Mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, ça fait des dégâts quand on fonce sur des abonnés comme ça. Attends, on recommence. 3, 2, 1. What? Ça fait rien du tout. Mec, ils sont trop forts. What? Ils m'ont bloqué. Ils m'ont bloqué. Non, arrêtez. What the fuck? Testons cette fois-ci autre chose. Nous avons les abonnés juste ici sur une planche de bois. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a un piège juste en dessous. Est-ce que vous pensez que les abonnés vont tous mourir d'un coup si je craque la planche? La réponse est tout de suite. 3, 2, 1. Oh, oh, attention. Non? What? Ils sont pas tous morts. Ok, testons cette fois-ci les amis, pas avec un seul piège, mais avec 5 pièges. Est-ce que vous pensez qu'ils vont tous mourir d'un coup? Franchement, je pense. Là, clairement, je pense. Attention, est-ce que tout le monde est prêt? Yo! Oh! Oh ouais, ça fonctionnait, tout le monde est mort! What the fuck? Terrible! Ok les amis, passons cette fois-ci à la même chose, sauf que maintenant, c'est des trappes de poison. Est-ce que vous pensez qu'ils vont tous mourir d'un coup avec les trappes de poison? La réponse tout de suite. Yo! 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 Voilà! Ok, on avait un peu galéré, attention. Là, il faut attendre un petit peu. Voilà, ils sont en train de s'en faire empoisonner. Est-ce que vous pensez qu'ils vont tous mourir? What? Non! Non! Ils sont pas tous morts! What the fuck? Et bien sûr, passons par la suite avec des trappes de poison sur tous les côtés. Donc 5 trappes de poison. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ya, ya, ya. Attention! Oh! Oh, il y en a qui sont morts d'un coup! What the fuck? Oh là, je pense qu'ils sont tous empoisonnés. Ah oh, ouais! Ah oh, ouais, là, je pense à. Oh! Ah ouais, là tout le monde est mort. Ok, ça fonctionne, magnifique. Ce que je retiens de cette expérience, les amis, c'est que les seules choses qui peuvent tuer autant de joueurs en un coup, c'est le robot. Et quand t'as plusieurs pièges et plusieurs pièges de poison. Sinon, on l'aura pu tester avec le C4 qui fait pas mal de dégâts, effectivement. Mais clairement, je dirais qu'il n'y a pas mieux que le robot, clairement, les amis. Le robot Forever, je dirais. Oh, what the fuck, il m'a tué. Bref, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Bombarde-moi cette vidéo de pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne YouTube, c'est très important, active la cloche de notification, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir, et pour ma part les amis, on se dit à la prochaine, tchuss!